C'est Nico363 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un petit peu voilà pour si vous avez rien à faire. Cette vidéo en fait je vais vous expliquer. Donc sur cette vidéo en fait je vais vous montrer la course que j'ai faite. Donc moi je suis Fernando Alonso. J'ai commencé en 10e position et je suis arrivée. Je garde le suspense pour la fin. Donc là, je suis en mode replay. Donc là, je vais tout de suite commencer. Pour l'instant, c'est normal que vous voyez pas ma voiture. Moi aussi, je sais pas trop où elle est. Je pense qu'elle est un petit peu au fond, vers le milieu, vous voyez, elle est en noir avec un 14 sur le nez, enfin le numéro 14 quoi. Voilà, on va tout de suite commencer. Donc j'avais fait un assez bon départ. J'ai oublié de préciser, je suis sur le Grand Prix de Chine. Donc voilà, juste attendez une seconde. En fait j'ai voulu baisser le volume mais en fait j'ai pas réussi. Donc si on m'entend pas très très bien, je suis désolée, mais bon, ça sera comme ça. Donc on va continuer. Ensuite, là vous voyez, j'ai doublé pas mal de voitures à ce virage. Ensuite, vous voyez, je suis quatrième. Il me restait à doubler que Vettel, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Après, j'étais premier. Donc déjà j'ai fait un très bon départ. Donc voilà, j'ai réussi à doubler et c'était vraiment chaud. C'était Nico Rosberg. Donc voilà, la grande ligne droite de 1 km. Donc voilà, donc à cette ligne droite j'étais moins rapide que les autres. Vous voyez Nico Rosberg qui est en train de me doubler. Ensuite je pense que je vais le re-ouais. Non, il n'a pas réussi à me doubler. Donc j'étais troisième. Voilà, je vous préviens, il y a 5 tours. Voilà, je suis sur le Grand Prix de Chine. Et je suis troisième. Donc j'avais fait un bon départ. Ensuite ça va quand même assez continuer. Là je commence à me prendre un tout petit peu une dixième après d'écart. Ensuite je vais rattraper, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai doublé Lewis Hamilton. Ensuite j'étais deuxième, il ne me restait plus que Vettel. C'était quand même super chaud. Donc voilà, la petite caméra. Donc là je commençais à toujours à monter dans le classement. C'était toujours nickel. Après j'ai eu quelques défauts de course, mais sinon vous voyez Lewis Hamilton qui est en train de me doubler. Mais après je vais normalement le redoubler au virage. Vous voyez, je me mets sur côté et je redouble. Et aussi j'ai doublé Vettel, donc je suis premier. Je suis
suis premier du Grand Prix. Après, il a tenté de me redoubler et il a cassé un petit peu son aileron. Mais il m'a quand même redoublé. C'est Lewis Hamilton. Ensuite, pendant tout le reste de la course, c'était super chaud. Ensuite, il y a eu pas énormément de changements avec Nico Rosberg derrière moi, Lewis Hamilton devant moi. Donc niveau trajectoire, j'étais pas meilleure. Surtout que le Grand Prix de Chine, il était vraiment pas évident. Donc là, j'ai tenté de le redoubler et j'ai réussi. Donc je suis repassée premier du Grand Prix. Ensuite là, j'ai commencé à avoir un petit peu d'écart, mais comme à la ligne droite ils sont plus rapides que moi, ils m'ont redoublé. En plus Nico Rosberg aussi, mais moi je suis plus fort dans les virages, du coup je vais les redoubler dans le virage, voilà, les deux en même temps. Donc à ce moment-là c'était quand même chaud. Donc ensuite j'étais premier du Grand Prix. Ça faisait le troisième tour si je me trompe pas, je crois. Il restait encore deux tours. Donc là les fameux virages 1 et 2 qui sont assez complexes. Après ça, tout ça, ça demande de l'entraînement. Et c'est quand même assez. Si on ne connaît pas bien un circuit, c'est quasiment impossible d'arriver premier. Du coup, ça a été assez compliqué. Donc là, j'étais toujours premier. Là, j'ai un petit peu glissé. Et ensuite, là, ils sont toujours derrière moi. Hein. Ils me lâchent pas. Hein. C'était vraiment super chaud quand même. Ensuite là, on va attaquer la ligne droite de 1 km. Donc là, au virage, là j'ai repris un petit peu, mais comme d'hab, ils sont plus rapides à la ligne droite, du coup ils m'ont doublé. Hein. Ça on sait. Et par contre là, ils m'ont doublé les trois. Du coup, bon, j'ai quand même tout rattrapé après. Si je me trompe pas, ouais j'ai tout rattrapé. Donc ils sont sortis de la piste. Et il me semble que c'était le dernier tour, il me semble. Hein. Ah, il y a un avion au-dessus. Et je pense que c'est le dernier tour. Non, c'est pas le dernier tour. Là, ouais. Donc il reste encore normalement un seul tour. C'est ce tour, le dernier tour. Donc Lewis Hamilton qui est juste derrière moi, qui a été super chaud, je vous dis, à la fin, ça a été ultra serré, vraiment, mais de ultra, ultra, ultra. Donc là, on est au dernier tour. Je suis encore premier. Encore le petit patinage. Et donc là, il a tenté de me doubler et je sais plus s'il a réussi. Non, il n'a pas réussi. Donc c'est assez bien fait pour lui. On entame la dernière ligne. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Donc ils m'ont doublé les trois. Donc là c'était le dernier tour, je vous rappelle, la grande ligne droite où ils sont plus rapides. Et je les ai doublés de justesse, hein, franchement de justesse, vraiment de grande.
grande justesse, j'ai déjà dit. Donc là, ils ont un peu débordé sur la piste. Et c'était le dernier tour. J'ai pris un peu d'avantage. Et je suis arrivé premier de ce Grand Prix. Donc vous voyez là, bah voilà. Donc là, j'ai fini. Donc vous voyez, donc j'ai gagné premier sur le Grand Prix de Chine. Donc on va arrêter, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand même, cette course est... quand j'ai fait la course, j'ai un petit peu été... c'était vraiment ultra serré avec la Ferrari de Vettel et Nico Rosberg et Lewis Hamilton juste derrière moi. Je me suis quand même en sortie de justesse grâce au dernier virage. Et même s'ils étaient plus rapides que moi dans les lignes droites, bah, j'ai réussi à arriver premier. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à aimer la vidéo si vous avez aimé. Hein. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez. Et bah moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, ciao. Et bah prenez soin de vous. Allez.